Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Spider-Man. Et aujourd'hui, on est en train de rentrer chez nous. Suite aux événements du dernier épisode. J'ai peur par contre on se fasse... Comment dire, exclure de notre logement. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Euh, 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand. Pas de problème. Ok, bon. Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Ça doit pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Alors du coup, on va partir à la recherche de ce disque. Bien sûr, c'est fermé, au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Mais il y a peut-être un autre accès. Alors on est à la recherche de l'accès là, du coup, pour pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Hop, là, il y a un truc là. Ok, elle est là. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Oh. Ok, là je panique. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé, est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super, j'y viens direct. Ok. On va ressortir de là et aller à Chinatown. Ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry ? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, oui. Non, ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sides. Léo ? Léo ? Ah, ouais, ça se pourrait. Ah, j'adore Léo.
me rapporte une pizza. Je vous dois bien ça. Pas de problème. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci, Eddie. Ok, les camions doivent pas être loin. Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Vous avez jamais vu de ces chèques? Trop cool. Là, il y en a un autre. Aucun signe de mes affaires. Oh, mais quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Bah les gars, on peut-être changer d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Ok. Du coup, va falloir tracer un petit peu. Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. Au secours! Ok. Bon, ça va, c'était pas trop compliqué cela. Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. Je crois que c'est ça. Allez, sois ici, sois ici. Oui. J'espère que tu marches encore. Alors, on dirait que tout est là. Hé, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Alors, on peut maintenant fabriquer la bombe de toile. Bombe de toile débloquée. C'est un explosif de proximité qui entoile instantanément les ennemis qui le déclenchent. Ça y est! Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non! Tuez-le! Il se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Ah, on va aller à l'appartement d'MJ. Ok.
Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi, ce... Oh non, c'est trop formel. MJ! Hey, je veux passer dans le quartier et... Oh, c'est nul. Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Non, oh, fallait rester avec la première version. Histoire. On est amis, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Oh, qu'est-ce que j'ai dans la tête? J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Alors, on a terminé Home Sweet Home. Quelqu'un m'a laissé un message. Le numéro est masqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non. Je connais cette voix. Alors, on est parti. On va affronter un nouvel ennemi, je suppose. Avis à toutes les unités. Cambriolage en cours signalé. Incident en cours près d'Union Square. Répondez. Coucou Spidey, je pense souvent à toi en ce moment. On est Black déjà Cat. Tous les deux, non? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Là. Elle veut que je trouve quelque chose. Oui, là, mais je vois. Quoi? Là! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Alors, faut terminer les planques de Black Cat pour de trouver son mystère. Bon. Ah, on a une nouvelle tenue disponible. Le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle des CV? Je crois, oui. Pourquoi? Elle a rempilé? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Et on a terminé Planck, du coup. Ça va, c'était pas trop compliqué. Salut, mec. T'appelles tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter. Je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi? Et tu as un endroit où dormir cette nuit? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. Alors, on va aller voir quand même cette nouvelle tenue qui a été débloquée. Ah, il en a eu plusieurs, j'avais pas fait attention. La costume Spider Armure MK2. La tenue Secret War. Le costume de Stark. Et le costume négatif, et on en a une autre aussi. Costume Scarlet Spider. Bon, on va garder celle-là pour l'instant. Même si à un moment, il faudra que je teste quand même l'Iron Spider. Allez,
Bon, on va aller au refuge du coup. Je sais, même Shocker y participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk? Rien que ça, ce serait déjà moche. Alors pourvu que ça s'arrête là. Allez, on se change et on va aller dans le refuge du coup. C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Va falloir aller à l'étage, a priori le bureau est en haut. On se rend pas compte du nombre d'enfants sans abri. 1 sur 30. Et trop souvent, les refuges sont pas équipés pour les accueillir. Seigneur, donne-moi la force. Il y a quand même moins de vétérans sans abri. Mais il y en a toujours trop. Heureusement, mon ami Flash Thompson fait de son mieux pour y remédier. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là si tard ? J'espère que le canapé est confortable. J'étais une vraie tête à claque. On passe tous par une période difficile. J'aimais beaucoup les chevaux, comme tout le monde à un certain âge. Tu me manques. Je vérifie qu'il n'y avait rien derrière. Et rien d'autre à regarder. Ok, bon. On va passer la nuit ici. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allô ? Hé, hey, t'as vu mon article ? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi ? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow ! Eh, hey, mais le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure.
Alors, on va aller voir ce qui se passe. J'ai pas forcément envie d'aller au meeting pour l'instant. J'ai peur que ça déclenche en fait le chapitre suivant. Donc ça, je pense que je vais le garder pour demain. On va voir ce qu'on peut faire un petit peu autour quand même. On a encore un peu de temps. Couchsurfing terminé. Ah, je vais faire les deux tours qui me restent par ici. Oh, c'est trop humiliant d'accepter l'argent de Bourne. Je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Ah, j'ai débloqué les missions annexes. Qui braque un véhicule blindé? Ça m'étonnerait que ce soit pour financer un goûter d'anniversaire. Un nouveau message de Doc? Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard. Même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Ouais. Alors, on va décrypter celui-là. Le quartier, on va finir le quartier des affaires en fait. Allez, il en reste une ici. Ok, je la vois de là. Félicitations pour la cérémonie! J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Quoi de neuf? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de fisc dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Laissez tomber. Allez, on va pouvoir décrypter cette tour-là aussi. Et comme ça, on va terminer la couverture du quartier des affaires. Est-ce que je suis trop loin pour prendre la Statue de la Liberté en photo? À toutes les unités, échange de ouais, tirs entre des agents et des... Bon bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur Spider-Man vous aura plu. La prochaine fois, on ira au meeting d'Osborne. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.